Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une, l'histoire retiendra qu'il y a eu un avant et un après Malu Malu à la Commission électorale nationale indépendante. Au regard de sa solide expérience professionnelle, l'ancien président de la CENI a été décoré à titre posthume. Diverses personnalités africaines ont également rendu hommage à ce prêtre précurseur des élections démocratiques et libres en République démocratique du Congo. À l'EPEFKIN, le championnat 2016-2017 pour la course à la succession du titre du FC Renaissance du Congo va s'ouvrir le 18 juillet. L'annonce officielle a été faite à l'issue d'une assemblée générale de l'EPEFKIN, réunion au cours de laquelle les noms des meilleurs de la saison ont été dévoilés. Voilà tout pour les sommaires. Nous ouvrons ce journal par cette nouvelle. 6 corps ont été repêchés et 4 personnes ont été portées disparues dans un naufrage de 2 baleinières sur le lac Maïndombe dans la province qui porte le même nom du lac. Selon Masamba Makila, vice-gouverneur de cette province, le convoi de 2 baleinières aurait chaviré à cause du surcharge. Les 2 baleinières transportaient des sacs de charbon de bois et environ 53 passagers à destination de Kinshasa. Masamba Makila, gouverneur de Maïndombe, prie donc le gouvernement central d'allouer des bateaux et navires adaptés pour les transports des personnes dans cette partie du pays afin que de tels drames ne se répètent plus. Je vous ai annoncé au sommaire, il a été admis dans l'ordre des héros nationaux. L'abbé Apollinaire Malu Malu a été décoré à titre posthume ce samedi par le président de la République, Joseph Kabila, un titre d'honneur accordé à l'ancien premier président de la Commission électorale nationale indépendante en guise des remerciements pour les bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Rachel Kichita. Du gouvernement avec en tête le Premier ministre, la police, l'armée, les institutions d'appui à la démocratie, le Parlement ou encore la société civile ainsi que plusieurs autres anonymes, tous ont rendu un vibrant hommage à l'abbé Apollinaire Malu Malu, président de la CEI en 2006, puis président de la CENI entre juin 2013 et octobre 2015. Il a rendu des loyaux services qui lui vaut un couronnement à titre posthume. C'est le président de la République lui-même qui a procédé à la décoration conformément aux prescrits constitutionnels. D'abord, lecture de l'ordonnance présidentielle par le chancelier des ordres nationaux, puis la décoration proprement dite. Joseph Kabila, le premier à s'incliner et déposer sa gerbe de fleurs devant la dépouille mortelle de l'abbé Apollinaire Malu Malu. 4 discours, témoignages ont ponctué cette cérémonie de décoration. Le président de la CENI et l'évêque de Butembo, Mgr Melchisedek Sikuli, ont loué les qualités de l'abbé Apollinaire Malu Malu. Pour l'estime et la haute considération envers l'abbé Malu Malu et d'avoir honoré ce digne fils de l'Église et de la République démocratique du Congo. Né à Marangi le 22 juillet 1961, c'est à Butembo qu'il sera enterré. La dépouille quittera Kinshasa ce dimanche dans la matinée pour le Nord Kivu. Rares sont ceux qui ont douté, en tout cas, des qualités professionnelles de l'ancien président de la CENI qui a quitté la terre des hommes. En témoigne la multiple reconnaissance qu'ont fait plusieurs personnalités du pays, des témoignages croisés, mais qui se recoupent. Elles sont interrogées, ces personnalités donc, par Rachel Kichita. Mais chacun a sa page d'histoire à écrire, il a écrit la sienne. Je crois qu'il l'a écrite convenablement et il nous laisse de continuer ce qu'il a initié, toutes les œuvres qu'il a initiées. Et
pour la promotion de la paix, la solidarité, la fraternité, l'unité de notre pays. Il nous faut continuer sur ce chantier de toutes ces œuvres sociales, religieuses. Ouais. Beaucoup de choses que je retiens de M. l'abbé Malou Malou, parce que, un, en tant que son étudiant, parce qu'il a été mon recteur à l'Université catholique du Graben, j'ai été donc son disciple. Et ainsi, je suis devenu ministre, donc un autre leader. C'était donc pour moi un leader qui a fait d'autres leaders. Et nous ne l'oublierons jamais pour cela. Nous l'avons vu à l'œuvre. Il était un acteur de la société civile engagé. Il a été engagé dans les processus de pacification, dans les processus de développement. Il a laissé énormément d'impact positif. Le parcours de la vie de l'abbé Apollinaire Malou Malou est principalement basé sur son parcours à la tête de la CEI et ensuite de la CENI. Mais nous oublions souvent qu'il a été parmi ceux qui ont combattu l'agression qu'a subie la République démocratique du Congo depuis 1998. Il a été aux côtés de Monseigneur Catalico, ensuite il a été dans la société civile. Malou Malou a formé les gens. Toute la crème électorale aujourd'hui, c'est Malou Malou qui l'a faite. Le Congo n'a pas seulement exporté le cuivre, avec Malou Malou, le Congo a exporté un personnel qualifié. Vous le trouvez à Brazzaville, vous le trouvez à Nîmes Maurice. Vous le trouvez en Afrique australe et sur les enfants qu'un Malou Malou a produit. Aujourd'hui, tous ceux qui dirigent la CENI, à 90%, toutes les techniques étaient formées par lui. Et aux obsèques de l'abbé Apollinaire Malou Malou, il y avait aussi des délégations des centrales électorales de certains pays africains. Parmi les invités venus d'autres cieux figurait le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Barthélémy Kéré, un des étudiants du professeur Malou Malou. Il salue la grandeur de celui qui avait la maîtrise parfaite des données électorales. Barthélémy Kéré est interrogé par Rachel Kichita. Pour nous, au Burkina Faso, c'est une icône. Vous avez dû entendre que le Burkina Faso est l'une des commissions électorales qui récemment a réussi à donner les résultats des élections présidentielles à jour J plus 1. Ça a l'air de lier, mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous le devons à l'abbé Malou Malou. Si aujourd'hui, au Burkina Faso, on pense que nous sommes l'une des meilleures commissions électorales d'Afrique, c'est les sillons qui ont été tracés par l'abbé Malou Malou depuis 2007. C'est la raison pour laquelle lorsque j'ai entendu qu'il nous a quittés et qu'il y avait les obsèques, je ne pouvais pas ne pas venir pour vraiment témoigner de ce qu'il a fait pour nous et de rendre hommage à cette personnalité qui a disparu physiquement. Mais les idées ne meurent pas. Malou Malou ne peut pas mourir et nous pensons que les grandes idées qu'il nous a laissées, l'école de formation déjà qu'il a initiée, nous allons continuer de la faire vivre pour que aujourd'hui l'impact du Congo, de l'abbé Malou Malou, de la CENI du Congo puisse effectivement se perpétuer. Mesdames, Messieurs, Barthélémy Kéré est plutôt, comme vous en êtes rendu compte, président de la CENI Burkina Faso. Parlons des routes à présent. Les travaux de réhabilitation de la nationale numéro 25 de Niania à Iziro vont démarrer incessamment. Le gouverneur de la nouvelle province des Owele, Lola Kisanga, qui l'affirme à la fin de l'audience lui accordée hier vendredi par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Les deux hommes ont naturellement échangé aussi ou passé en revue les problèmes liés au développement de la nouvelle province de Owele. C'est un reportage signé. Écoutons plutôt le gouverneur de Owele, Lola Kisanga, interrogé par Tapi Lutunu. C'est notamment cette question des travaux de réhabilitation que je suis venu discuter avec lui, lui proposer ce que nous avons pensé faire sur les axes principaux, la nationale numéro 25 des Niania et Siro, pour lequel nous avons contracté avec une entreprise chinoise Crexet, pour lequel les travaux vont démarrer très essentiellement. Nous avons discuté des autres axes, qui sont notamment la nationale numéro 26, qui part de Isiro, Mungwere, Wacha jusque Durba. C'est 330 km de route carrossable que nous devons réaliser, mais également la route provinciale numéro 426, qui part de Isiro,
Niangara, Dungu, Faradje, jusque Durba. Ces axes routiers, une fois faits, vont effectivement booster la relance de l'activité économique, justement faire vivre ce corps humain à l'échelle de la province pour que la vie économique reprenne. Nous avons bénéficié d'un accompagnement de réflexion du Premier ministre sur les voies pour y arriver. Nous avons fait des propositions concrètes. Nous avons demandé son accompagnement qu'il nous a accordé, dont certains autres aspects seront discutés dans les cadres institutionnels pour que la province puisse réaliser ses infrastructures dont la population et la République ont pleinement besoin. On passe à autre chose à présent. Rideau sur l'atelier des validations, la nouvelle carte géologique de la République démocratique du Congo. Les experts ont convenu d'une ébauche des cartes, puisque la carte préliminaire sera publiée après sa présentation au Congrès international des géologues en Afrique du Sud, qui se tiendra prochainement. Félix Ilunga et Doudou Kassouba. Doter la République démocratique du Congo d'une carte géologique actualisée demeure le cheval de bataille de géologues congolais. Les efforts des experts visent l'amélioration de la gouvernance du secteur minier, la croissance économique et le développement durable du pays. Des efforts qui aident le gouvernement à canaliser les revenus et bénéfices du secteur pour un développement économique durable. Le besoin de la mise en place d'une structure nationale des géologues s'est fait également sentir. L'élaboration d'une carte géologique est un travail dynamique. Au fur et à mesure que les connaissances s'accumulent, la carte peut également s'adapter. C'est ainsi que nous avons souhaité, et tout le monde était unanime là-dessus, que ce travail puisse continuer. À côté de la carte géologique de la RDC, nous nous sommes également focalisés sur la nouvelle structure à créer, qui est le Service géologique national, dans un processus de mutation du CRGM vers le Service géologique national. Une structure qui va en fait prendre en compte un certain nombre de priorités qui sont définies au niveau du gouvernement. Ces assises tombent à point nommé. Le travail vient combler de lacunes vieilles de plus de 40 ans. Cette carte était déjà, comme nous l'avons dit, obsolète, anachronique, qu'il fallait à tout prix que le pays soit doté d'une carte géologique actualisée. Les enjeux sont énormes pour la République, dans la mesure où cette carte va permettre aux investisseurs potentiels d'avoir des informations et des données fiables et actualisées. Et de deux, au niveau du gouvernement, nous aurons au moins la maîtrise de toutes les données du sous-sol, donc une meilleure connaissance géologique de nos richesses minières. Les efforts du projet ProMine ne sont qu'une étape vers la maîtrise des données chiffrées approuvant le scandale géologique de la République démocratique du Congo. L'élaboration d'une carte géologique étant un travail dynamique, les professionnels de géologie se sont fixés rendez-vous l'année prochaine en vue d'évaluer les efforts fournis. Et l'outil élaboré sera remis au gouvernement. Les participants à l'atelier sur la validation de la nouvelle carte géologique estiment qu'un pas vient d'être franchi, un travail qui n'a pas été facile, mais du moins réalisé ou mis à jour après 45 ans. Les points de vue des participants au micro de Félix Ilunga et Doudou Kassouba. Nous avons quand même pu mettre à jour la carte qui permettra aussi au gouvernement de bien discuter. Parce que nous avons pris conscience, nous géologues, en se disant si le gouvernement est en train à ce jour de conclure des contrats, mais ne sachant pas qu'est-ce que regorge le sous-sol, et que nous, en partie, nous étions indexés. Et c'est comme ça que nous, en tant que géologues, nous avons décidé ce jour de remettre à jour et de donner un outil qui permettra au gouvernement de bien conclure ces contrats, de sorte que le peuple congolais puisse se retrouver. On appelle scandale géologique, mais les contrats qui sont signés par le gouvernement, quelque part, démontrent que réellement, nous sommes en train de brader à vil prix nos ressources. Et voilà, donc, cet atelier, c'était vraiment d'une grande importance pour l'avancée justement de nos connaissances géologiques de notre terrain qui est la RDC.
Et comme vous l'avez suivi depuis le début, donc nous avons fonctionné avec des informations qui datent d'une certaine année. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de nouveautés, mais sauf que ce n'est pas porté au niveau national ni au niveau international, au niveau des connaissances. Alors l'atelier ici va nous aider à booster un peu ce qui n'y était pas. Ça veut dire que nous allons essayer d'apporter toutes les informations que nous n'avions pas ou celles qui étaient encore cachées au niveau de certaines recherches personnelles, au niveau national pour la connaissance et pour l'amélioration des ressources. C'est ce que je voulais dire dans le sens où nous avons une carte géologique qui contient des informations, vraies d'ailleurs, mais pas mises à jour. En sport, édition du championnat des l'entente de football de Kinshasa va démarrer les 18 août prochains, la 99e édition donc. Cette date a été annoncée par le président de cette entité sportive, Chrysostome Tshenzing Zingat. Ce dernier l'a signifié hier au sortir de l'Assemblée générale ordinaire de l'entente. Par la même occasion, les noms des meilleurs de la saison ont été dévoilés. Renaissance du Congo, le champion plébiscité comme meilleur club, Rum Matumona, meilleur joueur de la saison, Paul Kazozo et Théodore Tshitoli. Cette assemblée générale ordinaire de l'entente provinciale de football de Kinshasa boucle entièrement la saison sportive 2015-2016 sur un regard rétrospectif et évaluatif sur cet exercice avant de se projeter sur le prochain championnat. De l'exercice 2015-2016, tous les rapports de la saison ont été adoptés avec des amendements à certains endroits. En un seul mot, rien à redire, tout a fonctionné au gré du contrat tacite signé entre les Pefkin et ses sociétaires avant l'ouverture des empoignades. Je suis très satisfait du déroulement du championnat de cette saison. Cela n'a été possible qu'avec le concours des sociétaires qui ont consenti beaucoup d'efforts parce que nous nous sommes dit au terme des assises de l'année passée, qu'on ne pouvait pas démarrer le championnat de cette année sans que nous puissions nous mettre tous ensemble. C'est ainsi que nous nous sommes mis ensemble au salon d'honneur de Statata Raphaël avec le sociétaire, qui nous ont donné des recommandations et nous les avons respectées. C'est ce qui a fait à ce que nous puissions terminer ce championnat. À propos du prochain championnat, sauf changement, dernière minute, les hostilités vont s'ouvrir le 18 août 2016. S'il n'y aura pas de report au niveau de la hiérarchie, le championnat démarre le 18 août. Au chapitre des meilleurs de la saison, comme club, l'FC Renaissance du Congo, l'OCD Dimo, équipe Révélation et Nzaki Mwana, club Fair Play. Meilleur joueur, Rum Matumona, le capitaine de l'FC Renaissance. Au royaume du buteur, Wane Leba de la Serengers pour ses 34 buts inscrits cette année. Depuis près de 10 ans, c'est pour la toute première fois que le championnat de Pefkine est allé à son terme au bout de 760 rencontres programmées et dédouanées. Voilà donc, mesdames, messieurs, qui vient mettre fin à cette édition du journal. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous et bonne suite des programmes sur Numérica Télévision.